Salut à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir en fait une série de campagnes que j'aime beaucoup sur Mirage 2000 dans DCS. C'est des campagnes gratuites faites par un membre de la communauté. Ce sont deux campagnes qui prennent le nom de A Mirage Story. Donc il y en a une, alors je vais essayer de vous le faire avec mon plus bel accent, qui s'appelle Blood and Sand. Qui est une campagne fictive qui se déroule pendant la guerre Iran-Irak, où on suppose que l'Irak aurait reçu deux Mirage 2000C. L'Irak était déjà utilisatrice de Mirage F1, et là, dans ce scénario, elle reçoit ses deux premiers Mirage 2000 pour contrer les F-14. Donc c'est une série de 5 missions fictives. Et il y a une deuxième campagne qui s'appelle The Cedar and the Rooster, qui est une campagne qui se déroule au Liban, et là où vous rejoignez un petit groupe de Mirage 2000 français qui sont envoyés en maintien de la paix. La capture que vous voyez actuellement à l'écran est issue de la première campagne pendant la guerre en Irak, qui est fictive. Donc c'est des campagnes avec doublage vocal, qui sont plutôt accessibles, elles sont plutôt simples à jouer. Les briefings, par contre, manquent un petit peu de précision. C'est un peu dommage, c'est vrai que quand on commence une mission, alors on a l'élément de surprise, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements scriptés, comme ce qui se déroule dans l'enregistrement que vous êtes en train de voir. Et ces événements sont plutôt bien ficelés, et comme je vous disais, bah, c'est pas la peine d'être un super pilote de Mirage 2000 pour les prendre en main. Au contraire, c'est des campagnes qui sont excellentes bah, pour se faire à l'avion, pour le découvrir et bah, pour l'exploiter tranquillement. Donc là, bon, on voit que j'essaye de faire une passe à la roquette, mais je suis gêné par les fumées. Donc bah, on va refaire un petit tour, voilà, parce qu'on doit attaquer ces véhicules qui ravitaillent, donc les speedboats qui harcèlent les navires irakiens dans le Golfe. Donc bah, je vais vous laisser profiter de la mission. Je vous mets le lien des deux campagnes dans la description. Et je vous invite, bah, si vous êtes pilote de Mirage 2000, si vous avez envie de voler avec cet avion dans un environnement accessible à tous et qui va vous permettre de faire des progrès, je vous invite ardemment à les télécharger et à les essayer. Voilà, sur ce, place à l'action et je vous dis à très bientôt et rendez-vous en description pour les campagnes. Off center, Uzi 2-1. Targets destroyed. Uzi 2-1, off center. Roger. Stay above waypoint 2. Uzi 2-1, off center. These trucks had to supply one of the small naval facilities we are looking for. Probably very close. Go west. Scan the coast. Fly over any suspect zone at low altitude to check.
Op Center, Uzi 21. On the coast, just west of Gianac, small facility. Warehouses, vehicles, and three speedboats at the dock. Roger that. Speedboats are your targets. Cleared hot. Off center, Uzi 21. Targets destroyed. Uzi 21, off center. Good job. Go back to waypoint 2, Angels 10, and hold on.